Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve dans mon bureau parce que tout était installé et que j'avais un petit peu la flemme de descendre mon appareil photo, les câbles, etc. pour filmer dans mon salon avec la vision habituelle de ma bibliothèque. C'est mieux point de vue son, mais au moins là, l'appareil photo est très proche de moi et je peux voir quand il y a un problème de mise au point et ainsi de suite. Donc si ça résonne un petit peu trop, toutes mes excuses, j'essaierai de bidouiller un petit truc au montage. Est-ce qu'il serait pas temps de refaire une papote lecture, une vidéo que je n'ai plus fait depuis Perpète les Bains, c'est-à-dire depuis un mois, puisque je vous avais fait une papote lecture de mes lectures de février. Et bien écoutez, là on est arrivé à la fin du mois de mars, donc je voulais vous parler de ces lectures là. Alors au mois de mars, j'ai lu beaucoup trop de livres, mais ce qui est bien, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vous voulez compter avant, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc bref, comptons 15 livres, et parmi ces 15 livres, je vais pas vous parler de tous les livres parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et surtout parce que je vous en parle en long et en large dans mon bibliovlog qui sortira très très prochainement. Parlons d'abord audiobook. J'ai repris un abonnement à un service d'audiobook et ce service c'est Prose, vous en avez déjà sûrement entendu parler sur les réseaux sociaux. L'avantage de ce service, c'est qu'il est éthique, il soutient les librairies indépendantes. Donc quand vous vous inscrivez sur Prose, vous pouvez choisir à quelle librairie vous voulez soutenir. Et si vous n'en choisissez pas, hein, il y aura en fait un dispatching de votre abonnement. Du coup, tout le catalogue habituel sur un autre service de streaming de livres audio n'est pas accessible, mais je dois dire que depuis que j'utilise l'application, c'est-à-dire depuis le mois de décembre, le catalogue s'étoffe de plus en plus et j'ai une liste longue comme mon bras dans les livres que je veux écouter. Et un des livres que je voulais écouter parce que ça faisait très longtemps, ça a été La Constance du Prédateur de Maxime Chattam. Je n'avais plus lu de Maxime Chattam depuis quelques temps. Et ici donc c'est un quatrième tome dans l'univers de Ludwin van Acker. Qui est en fait une inspectrice de police à Paris. Et là, on la suit dans sa réaffectation. En fait, elle va intégrer une équipe de profilers, toujours en France, etc. Et ça lui amène donc une enquête qui n'est pas sur son lieu géographique habituel, beaucoup plus loin, et qui est absolument mais immonde, comme d'habitude avec Maxime Chattam. Par contre, ce que j'ai bien aimé ici, c'est que on voit l'horreur et tout ce que les victimes ont subi, mais il n'y a pas d'étalage de violence auprès des victimes. Vous voyez, on a les pensées du tueur, on a les pensées en fait des criminels, mais on n'a pas des scènes de torture absolument immondes comme on peut avoir dans d'autres thrillers, dont un dont je vous parlerai un petit peu après. Ça c'est un petit peu plus facile à écouter, ça permet de mettre un petit peu plus de distance en tant que lecteur. J'ai bien aimé le narrateur, c'est la personne qui lisait. J'ai bien aimé retrouver la plume de Maxime Chattam. J'avais écouté Lux quelques mois auparavant. Et ici, Lux, c'était un roman d'anticipation, c'était de la science-fiction. Et ici, on retrouve vraiment le thriller dans lequel Maxime Chattam excelle assez bien, je trouve. Et j'ai vraiment, vraiment apprécié cette lecture. Je peux pas vous en dire trop sur l'intrigue, mis à part que c'est un truc de dingue qui va vous retourner le cerveau, tellement c'est ignoble, en fait. Voilà, c'est ignoble. Les inspecteurs vont... Enfin, la police va retrouver un charnier, un lieu de dépôt d'un tueur en série avec énormément de cadavres, et l'enquête n'aura aucun sens, et jusqu'à très loin dans l'enquête on va se dire que le fantastique s'en mêle, que c'est pas possible, qu'il n'y a pas d'explication rationnelle à certaines choses. Donc voilà, c'est encore une façon d'explorer le mal par Maxime Chattam. Très intéressant. Au mois de mars, j'étais dans un mood, et je suis toujours dans un mood où je veux lire des thrillers. Donc, j'ai demandé en service presse sur Netgalley Le Chant des Innocents de Pier Giorgio Pulizzi. J'espère que je le prononce bien, auteur italien. Ici, c'est un tome 1 de Vito, je sais plus comment. Je sais plus le nom du gars, de l'enquêteur. Et d'ailleurs, en fait, je me suis demandé, j'étais là en mode... C'est pas un premier tome, c'est pas possible, parce qu'il y a des choses qu'on apprend
sur les personnages qui sont mises en parenthèse, il y a des mises en ellipse. Et j'étais là, je me dis, est-ce que c'est vraiment un premier tome? Eh bien oui, c'est un premier tome. C'est un policier, c'est un polar plus qu'un thriller. Et le rythme est super effréné, super haletant. C'est un audiobook très 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 court. Honnêtement, je l'ai lu en deux soirées, deux trajets pour aller au travail et deux balades avec le chien. Donc vraiment, le livre audio de ma carrière de livre audio, le plus rapide du monde, parce que l'écriture est hyper intense, super effrénée, et le scénario est également. Sur le moment même, ça m'a bien plu, mais parce qu'en fait c'était très court, ça aurait tiré en longueur, j'aurais pas pu, très honnêtement. Je me serais dit là, c'est pas possible, je vais l'abandonner. Heureusement, j'ai su le terminer. Il y a des aspects assez intéressants de questionnement de la société par rapport aux jeux vidéo, par rapport à la jeunesse, etc. Ce qui est très dérangeant, c'est qu'on a donc ces moments de point de vue de Vito, donc l'enquêteur. Et puis, à certains moments, on a des interludes où on est dans les pensées des tueurs. Et ça donne envie de vomir, hein, leur façon de penser, etc. Sauf qu'en fait, tu sais que les tueurs, ce sont des adolescents. Il y a une espèce d'épidémie comme ça, où des adolescents à qui on n'a rien demandé, qui étaient bien sous tout rapport, se décident à tuer des gens, mais dans une frénésie meurtrière. Et donc, ça va être le challenge de trouver qui sera le prochain, pourquoi, qui est responsable derrière tout ça, etc. etc. Ce que j'ai moins apprécié dans ce roman, c'est le fait que le personnage principal, le personnage masculin, était porté au nu, alors que moi, honnêtement, plus j'écoutais, plus je lisais, plus j'étais en mode, mais pourquoi ils sont tous fans de ce gars? Il n'a rien de spécial, c'est un anti-héros, il est quand même assez détestable. Moi, généralement, j'aime bien les anti-héros, mais l'auteur n'a pas réussi à me le faire aimer. Il a une masculinité assez toxique quand même si tu comprends qu'il a une petite enfance qui a été horrible et qui explique bien des choses, ça ne veut pas dire qu'on peut accepter tout. Donc voilà, par rapport au personnage, j'étais quand même assez mitigée. Et sachez que là où le livre est... c'est pas brillant, mais un petit peu intriguant, c'est qu'il y a deux enquêtes dedans. Il y a une enquête qui sera résolue à la fin, et une enquête, il vous faudra continuer à lire si vous voulez avoir sa résolution. Moi, je suis pas sûre de lire la suite, mais voilà, vous ferez bien ce que vous voudrez. Alors, le livre suivant, c'est Narcisse de Maude Cordier. C'est une lecture imposée par Adeline. Vous savez, Adeline, cette merveilleuse personne qui m'a poussée à me lancer sur Twitch. Sans elle, j'y serais toujours pas. Sur Twitch, je lance... Plus vous regardez la chaîne, plus vous gagnez des points. Et ces points, vous pouvez les utiliser pour acheter des récompenses. Et donc, une des récompenses que j'ai instaurées, c'est que vous pouvez choisir ma prochaine lecture. Alors, mes abonnés s'en donnent à cœur joie. D'ailleurs, vous pouvez me follow sur Twitch sans être abonné. Hein. C'est pas payant de me suivre sur Twitch. Et vous pouvez regarder gratuitement les Read With Me, enfin les streams que je fais. Vous pouvez les regarder gratuitement et accumuler des points de chaîne. Il faut juste créer un compte. Donc, Adeline s'en est donné à cœur joie et m'a obligée à lire Narcisse de Maude Cordier, qui est une romance historique que j'ai détestée. Mais mon Dieu, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et Adeline me la vendait, elle dit, tu vas voir, c'est génial, etc. Vas-y, lis-le. Elle voulait vraiment que je le lise. Et j'étais désolée de pas aimer, mais... j'étais en mode... Donc en gros, on suit une meuf, je pense qu'elle s'appelle Olivia, j'ai envie de l'appeler Olivia, mais si ça tombe, elle s'appelle pas Olivia, qui s'apprête à épouser un gars, mais le frère du gars va lui dire « Ne l'épousez pas, vous êtes trop éprise de liberté, épousez-moi moi. » Donc il vole la future fiancée de son frère, quoi, il vole la meuf de son frère. Et elle va accepter, puisqu'elle a la promesse qu'elle pourra rester libre de faire ce qu'elle veut. Sauf qu'en fait, son mari va lui dire que il la déteste et que jamais ils ne coucheront ensemble, que jamais il ne lui fera d'enfant, donc jamais elle ne sera mère. Donc déjà là, elle, ça lui va très loin parce qu'elle avait jamais envisagé ça et qu'elle voulait l'être. Et donc son seul réconfort, ça va être dans le fait d'avoir un cheval offert par son père à elle. Sauf que le cheval a été traumatisé entre son transport de l'Extrême-Orient, de l'Arabie ou je sais pas quoi, jusqu'à Paris, jusqu'en France. Et donc il va
falloir des mois et des mois pour que ce cheval se laisse approcher et se laisse monter par sa cavalière. Et voilà. Voilà. En gros, c'est ça. C'est le récit de son quotidien dans sa maison, de son ménage, du fait que voilà, sa vie conjugale est horrible et que son mari la déteste. Alors oui, il a une bonne raison. En fait, le gars, il a besoin d'une bonne psychothérapie, mais pas de bol, à l'époque ça n'existe pas. Et en fait elle tombe amoureuse de lui, et moi je suis là, mais comment tu peux tomber amoureuse d'un mec qui te méprise autant et qui te balance des choses horribles à la tronche à tout bout de champ, et à chaque fois qu'elle fait un pas en avant dans la relation avec lui, c'est 5 pas en arrière minimum. Donc voilà, il n'y avait pas tant d'aspects problématiques que ça, c'est juste que le personnage masculin principal était là. Je suppose que l'autrice a voulu faire un espèce de Monsieur Darcy, Mr. Darcy, mais moi j'étais là, non en fait, non. Mr. Darcy, il est pas adapté socialement, mais il essaye et il est profondément gentil. Lui, il est pas profondément gentil, enfin voilà. Et même Olivia, à un moment donné, était là, je dis ouais mais c'est bon, hein, c'est toi blanche là, toute mignonne, toute gentille, enfin bref. J'ai pas adoré ce bouquin. C'était pas mal écrit, hein. Franchement, il y avait de la recherche, il y avait du world building, il y avait énormément de choses qui étaient juste par rapport à l'histoire, par rapport au quotidien de cette époque. Donc franchement, pour ça, l'autrice a fait un taf absolument magnifique. Mais moi, ces personnages, j'en avais rien à faire. Franchement, je me suis pas du tout attachée à eux. Donc, j'ai été très très contente de le terminer. Quand ça a été fini, j'ai dit « Alléluia !» Pourvu que les prochaines abonnées me choisissent une lecture qui m'enjoie un petit peu plus. Ensuite, ah oui, alors ensuite, bah là, c'est mon coup de cœur du mois. Je dois vous parler absolument de Broken Bonds de Charlie Reinhart. Je vous ai fait une publication il y a quelques jours, au début de la semaine, sur Instagram. Je me suis fendue la poire pour essayer de vendre le livre et j'ai fait des stories Instagram. J'ai adoré ce bouquin et dans tous ceux que j'ai lus, ça a été mon préféré. Donc je le mets vraiment en favori du mois de mars. C'est un service presse hein, que j'ai reçu de l'autrice elle-même, puisque je suis en partenariat avec elle, je pense depuis plus d'un an, ouais un an, ça fait un an et demi à mon avis là maintenant. Et donc Broken Bond, c'est pas une réédition d'autres livres comme elle l'avait fait depuis quelques temps, c'est vraiment un nouveau roman. Dans un Omegaverse, j'ai vraiment kiffé le truc, parce que les Omegaverse, ça a un côté très cringe, très problématique. Et j'en lis, hein, mais j'en lis vraiment pour me faire un petit peu mousser, et c'est pour avoir des lectures légères, etc. Et voir ce qu'en font les autrices qui publient des Omegaverse. Pour moi, c'est digne de la fanfiction, mais qu'est-ce que ça vaut en littérature? Ben, depuis quelques temps, j'en lis, et franchement, les autrices francophones en font des choses bien. Sachez-le. Et Charlie Reinhart n'a pas échappé à la règle, et elle a même été plus loin et au-delà de tout ce que j'espérais. Parce que dans les Omegaverse, on a toujours ce cliché de l'alpha hyper méga viril, qui en impose aux autres, qui gère tout, qui va protéger l'oméga. Et l'oméga, c'est une petite chose toute fragile qui n'est bonne qu'à enfanter et à s'occuper de la maison et de l'alpha, et qui n'a absolument aucune, mais aucune énergie, enfin aucune... mince, je ne sais plus parler. Qui n'a aucune personnalité propre. Sauf que là, dans Broken Bonds, on est dans un monde moderne, hein, sachez-le. On va suivre Link, qui a été kidnappé il y a de ça quelques années et qui a été réduit en esclavage. C'était devenu un esclave sexuel dans le boudoir. Sachez-le, quand vous lisez cette romance, il y a certains moments des descriptions, des flashbacks que Link vit. Et parce que je trouve ça bien, parce que ça nous permet de voir l'horreur qu'il a vécue et de pourquoi il est comme ça maintenant, sans que ce ne soit gratuit, et c'est pas du tout du voyeurisme, vous voyez. C'est vraiment fait avec une logique derrière de pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans le roman avec autant de détails. Donc ça, j'ai apprécié. Et donc, bah, Link, il a vécu ce truc, cet événement dans sa vie hyper traumatisant, et il a perdu sa vie d'alpha comme elle aurait dû évoluer. Et il a des gros troubles psychologiques. Et il en a un point de sa vie où il pense qu'il peut enfin vivre seul dans un quartier avec des gens normaux. Et donc, bah voilà, il s'est installé dans un quartier très très calme qu'il a vraiment fait choisir après de nombreuses recherches pour être sûr de pas avoir de problème. Mais en face de son appartement, il y a un Oméga qui habite là. Et cet Oméga,
En fait, à chaque fois qu'il voit Link, il voit que Link porte des t-shirts de groupe de rock. Et donc, il lui massacre une chanson de ce groupe-là, parce qu'il ne sait pas chanter. Et donc, de fil en aiguille, ils vont en arriver à en parler l'un avec l'autre. Sauf que y a une fois où ça va en fait envoyer Link dans une spirale d'affolement, et vraiment il va être trigger par cette conversation et se sentir très 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 mal. Du coup, comme Finn s'en rend compte, bah, il va appeler sa sœur qui n'est pas une alpha, qui n'est pas une oméga, mais une bêta, et donc qui ne représente aucun danger pour Link, et lui demander de venir l'aider. De là, en fait, Finn va se rendre compte qu'il y a un souci avec son voisin. Ils vont parler, ils vont discuter, ils vont se rapprocher. Une amitié va éclore. Et normalement, cette amitié, en fait, devrait se poursuivre logiquement en une relation. Mais ils n'ont pas le temps, en fait, parce que le frère de Finn vient de décéder. Il avait un enfant et il dit à Finn, dans son testament, « C'est toi qui devrais élever mon enfant. » Sauf que la famille du papa ne veut pas, en fait, ne veut pas de ça. Et donc on va se lancer dans une bataille juridique des familles comme on aime. Et donc du coup, Link va devoir se demander est-ce qu'il est prêt en fait à assumer un rôle d'alpha comme s'il était prédestiné ou pas du tout. J'ai adoré ce roman, le fait que l'alpha ne soit pas cet être hyper viril, hyper fort, etc. Pas du tout, il a des fragilités, il les accepte, même si ça le fait râler. Et finalement, il y a une inversion des rôles entre tous les deux. Ils vont réécrire un peu ce que la société attend d'eux. Et en filigrane de ça, eh ben, il y a un questionnement également de notre société, en fait. Alors c'est léger, hein, bien entendu, c'est pas un roman philosophique, et ça ne se veut pas philosophique. Mais pour moi, c'était vraiment une romance qui était intéressante, et c'est ce que je veux lire en romance. C'est pas juste des clichés. Voilà, j'étais vraiment prise par les sentiments des deux personnages, et je vibrais à leur côté, et je comprenais tellement les sentiments qui pouvaient se développer entre l'un et l'autre, mais aussi les reculs et le fait qu'il y ait des problèmes de communication entre eux. Mais voilà, donc je peux que vous recommander cette lecture, comme je vous ai dit, c'est ma préférée du mois de mars, c'est celle que je place tout en haut parmi les 15 lectures que j'ai faites ce mois-ci. Alors pour la suite, j'avais encore demandé un service presse sur Netgalley, cette fois-ci auprès de Bookmark Edition, et j'ai reçu Galanterie et Faux Semblant, c'est le tome 1 des Dahlia Bleus de Charlie Cochet et Macy Blake. C'est dans un univers métamorphe avec, en fait c'était super bizarre, parce que c'était un truc, en fait c'était un peu comme, ah ben non je peux pas vous en parler, j'en parle pas dans cette vidéo, mais dans la prochaine. Donc en fait, on est dans un univers métamorphe qui est une dimension parallèle, mais à côté de notre univers, en fait ils vivent parmi nous, sauf que leur société n'a pas évolué de la même manière, et qu'on a un côté Bridgerton à nouveau, puisque en fait ces gens, ces métamorphes qui sont nobles en fait, vont à des balles de saison, etc., doivent se trouver un compagnon, une compagne, selon des rites totalement désuets et très cringe et problématiques. Et bref. Le souci, c'est que le fils du roi est mort un an auparavant, que le roi a relancé la saison en se disant bah voilà, je suis en deuil, mais c'est pas pour ça que tous mes sujets doivent être en deuil. Et il a engagé le meilleur ami de son fils comme espion, parce qu'il a des espions qui font partie du truc, les Dahlia Bleus, c'est pas vraiment une légion, mais voilà, ce sont ses espions personnels. Et ils sont chargés d'enquêter sur la mort du prince, et qui était l'unique héritier. Et donc, bah voilà, ce Dahlia Bleu va être pris dans une... dans des trucs rocambolesques, etc. Surtout que le roi n'a rien décidé de mieux que de faire revenir l'ancien chef de sa garde pour le protéger lui. Et par un truc qui n'a aucun sens, en fait, ils sont obligés de se courtiser l'un l'autre. Voilà. Et donc il y a un trope de fake boyfriends. En fait, les deux autrices qui ont écrit ça, elles ont pris les trucs qu'elles faisaient le mieux. Charlie Cochet, les métamorphes, Macy Blake, les romances de Noël. Elles se sont dit, on a envie de faire d'un truc historique parce que c'est ça qui fonctionne bien pour le moment, j'ai l'impression, très honnêtement. Je sais pas de quand date le livre en anglais, mais depuis Bridgerton, faut quand même bien s'avouer que c'est un truc qui revient en masse.
Et donc j'ai l'impression qu'elles avaient un cahier des charges à remplir. Il nous faut ça, 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 ça. Et on a eu ça, 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 ça. Donc voilà, si vous voulez tout ça, si vous voulez des métamorphes, des gars sexy, des trucs pimentés entre eux, des moments pimentés entre eux, le fait d'être fake boyfriends, de voilà, et en plus de ça, un complot qui tient pas trop la route, et ben vous aurez tout ça. Voilà, c'est, si vous voulez, vous l'aurez, vous avez qu'à le lire. Honnêtement, c'est pas trop mal. Alors, ils ont repris la couverture américaine. Moi, le premier truc que j'ai vu et que j'ai dit, c'est, enfin, le tigre, regardez-le, mais zoomez, mettez votre téléphone juste là, mais allez voir la couverture, il y a un problème de perspective avec le tigre, on dirait qu'il fait 3 mètres, quoi. Donc ça va pas, il fait 3 mètres de long son corps, donc il y a un problème, voilà, je trouve la couverture ultra méga kitsch, voilà. Et l'autre petit bémol que j'ai eu, c'est que un des personnages s'appelle Saphir Vecna Van Kesh, je sais plus, enfin, mais un nom de famille, j'ai plus les noms là, c'est un nom de famille aux consonances indiennes, et en fait... Il n'est pas décrit comme ça. Alors, je sais pas, vous allez me dire en commentaire, dites-moi. Est-ce que c'est moi qui ai une attitude raciste parce que j'ai lu un nom aux consonances indiennes. En plus, le gars peut se transformer en tigre, je suis désolée, quoi. Donc, pour moi, je me l'imaginais indien. Et en fait, non, il est blanc. Et j'étais là, mais... Enfin, c'est une occasion manquée de mettre un petit peu de diversité. Qu'est-ce que vous m'avez foutu? J'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Honnêtement, on en discute en message privé sans aucun souci. J'ai pas compris pourquoi les autrices ont pas fait des personnages de couleur dans cet univers de fantasy. Voilà. Et alors, j'ai relu 3 fois les premiers chapitres pour voir comment on l'écrivait. Je n'ai jamais réussi à avoir une information sur la couleur de sa peau, mais sur la couleur de peau de sa sœur, oui, elle est blanche et elle est blonde. Alors ça ne veut pas dire que parce que sa sœur est blanche et blonde que lui il l'est, mais du coup je trouve qu'il y a une occasion manquée là-dedans, quoi. Vraiment. Continuons, parce que j'ai encore plein de lectures à vous parler. Toujours en service presse et en e-book, j'ai lu Une nuit infinie de Elliot Schreffer. C'est la grosse sortie des éditions Rivka en science-fiction. C'est très jeunesse, voilà, sachez-le, c'est très jeunesse. Mais d'un autre côté, je suis pas sûre qu'un jeune lecteur début de l'adolescence va tout comprendre à l'intrigue, parce que c'est de la bonne science-fiction avec des trucs, avec des complots, etc. Et en même temps, c'est un huis clos, puisqu'on suit 2 gars qui sont dans l'espace, dans une mission de secours. L'idée, c'est d'aller secourir Minerva, qui a été envoyée sur Titan pour coloniser en fait cette planète, et que la Terre en fait est une planète de secours, de rechange. Alors, me demandez pas pourquoi ils l'ont envoyé qu'elle toute seule. Ça me semble totalement abruti. Moi, jamais je fais ça, hein. T'envoies au moins 10 personnes, je suis désolée, mais une, je vois pas trop. Enfin, en même temps, 10, je vois. Un ou 10, c'est pareil. Mais bon, voilà. Et donc, en fait, sa balise va arrêter de fonctionner. Donc, la Terre va prévoir une mission de secours, mais ça prend un temps dingue. Et donc, il y a un gars qui se réveille comme ça dans le vaisseau. Il a oublié certaines choses, et il y a une intelligence artificielle qui va lui dire « Ah ben bonjour, bienvenue, vous faites route pour aller sauver Minerva, mais le vaisseau doit être réparé, ceci, cela, etc. » Et il sait juste en fait qu'il y a un autre cosmonaute avec lui, mais d'une autre nation, puisque sur la Terre, à cette époque-là, il n'y a plus que 2 nations. Clairement, ces 2 nations, c'est des caricatures, une nation communiste et une nation libérale à outrance, voilà, capitaliste. Donc pour ça, c'est un peu intéressant, parce que ça peut permettre de faire réfléchir et d'envisager ça. Donc pourquoi pas. Alors il y a des grosses avancées technologiques, tout se tient bien, j'ai envie de dire. Sauf que la première partie est hyper longue, et tu te dis mais on va où, quoi, parce que ça va être chiant, hein. Juste les 2 gars là dans le vaisseau, oui, ils vont faire peut-être ensemble, mais en attendant, tu sais bien que tu es en train de lire un livre jeunesse, donc tu vas pas non plus voir des scènes pimentées de chez Pimenté. Donc tu dis, qu'est-ce qu'on va lire pendant tout ça? Et puis en fait, plus tu vas avancer dans la première partie, plus les personnages vont se dire, attends, il y a une couille dans le pâté là, il y a des problèmes, il y a un problème, il y a un problème avec l'intelligence artificielle. Et donc toute la question va être de découvrir ce que cache l'intelligence artificielle. Arrivé à 30% du livre, moi j'ai été totalement choquée.
par ce qui se passait, j'étais là. Parce que je ne m'attendais pas à ça, à ce moment-là du bouquin. Je pensais que ça allait arriver beaucoup plus tard. Parce que tu comprends assez vite, hein, quel est le problème avec l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai été vraiment surprise. Donc ça, c'était positif. Et du coup, comme ça arrive à 30%, ça m'a donné l'envie de continuer à lire. Et malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Parce que sinon, je vais tout vous spoiler. Moi, je me suis vraiment plongée dans la lecture. De façon à n'en rien savoir. Je savais juste que c'était deux gars dans un vaisseau spatial. Et voilà. Voilà. Donc c'est assez chouette à découvrir. Maintenant, c'est pas non plus ma lecture science-fiction du siècle. J'en ai vu d'autres qui sont qui sont mieux, je trouve. Maintenant, c'est une bonne première approche pour, voilà, comme je vous ai dit, des lecteurs adolescents. À partir de 15 ans, ça peut être bien s'ils n'ont jamais lu de science-fiction. On comprend assez vite donc dans ce space opéra. Qui n'est pas... qui sort un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Bon, repassons au livre audio. Le dernier livre audio que j'ai lu au mois de mars, c'est N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. C'est le tome 3 dans sa série des Martin Savaz, à savoir son personnage emblématique enquêteur à Toulouse. J'ai pas du tout aimé ma lecture. Parce qu'en fait elle me faisait flipper, j'étais pas bien en fait quand je la lisais, tellement j'étais plongée dans le truc. Donc ça veut dire qu'elle est bien, que c'est bien écrit, mais j'en pouvais plus de lire ce bouquin. J'étais là, mais quand est-ce que ça va arrêter cette torture psychologique, parce que on est sur de la manipulation et sur de la du harcèlement moral plus qu'autre chose en fait dans cette enquête. Et c'est seulement à la dernière partie du bouquin que notre victime et le policier vont s'entrecroiser et que les deux enquêtes se mêlent. Et donc jusque là ça a été un petit peu compliqué à lire, je dois bien vous l'avouer. Je vais rien vous dire sur l'histoire parce que moi j'en savais rien. Et d'ailleurs le résumé ne dit quasiment rien. On sait juste qu'on va suivre Christine qui est présentatrice à la radio à France 5 si je me souviens bien. Et Martin Servaz, lui de son côté, il est totalement en dépression. Donc il est dans un endroit pour policiers dépressifs. Et il reçoit un jour en fait une carte d'hôtel, vous voyez, une carte magnétique pour entrer dans une chambre d'hôtel. Et donc il va enquêter sur un suicide, ce qui soi-disant ne serait pas un suicide. Voilà. C'est brillamment fait, cette torture psychologique des personnages féminins. Mais moi qui suis femme et qui écoutais ça, j'étais là dans la voiture avant d'aller au travail et je me disais, je suis pas très bien en fait. Et il y a même des jours où j'ai pas écouté de livre audio alors que d'habitude j'écoute mes livres audio tous les jours. Et j'étais là, non mais j'ai pas envie en fait, je vais mettre de la musique, j'ai vraiment pas envie d'écouter ça. Donc voilà, ce que ça peut, sachez-le, voilà ce que ça peut créer et induire chez vous parmi vos émotions. On est presque à la fin, courage, on est presque à la fin. J'ai lu également un livre qui n'est pas en e-book, Gwen and Art Are Not In Love de Lex Croucher. J'ai mal écrit donc je sais plus si c'est C-R-O-U-C-H-E-R, oui, je crois que c'est ça. C'est une romance, j'ai lu beaucoup de romances décidément, à destination des jeunes, des adolescents. Et alors c'est très drôle parce que c'est une romance médiévale, dans un monde médiéval, mais quand même avec des côtés un peu modernes. Donc c'est une histoire, c'est une période de l'histoire qui est totalement inventée, qui n'existe pas. Donc on va suivre Gwen, qui est la princesse de Camelot, je sais pas comment vous le dites, Camelot, c'est la parodie. Elle a un frère, c'est Gabriel, oui c'est Gabriel, son frère. Et en fait, depuis sa naissance quasi, Gwen est fiancée à Arthur, ou Art pour les intimes. Et les deux se détestent. À chaque fois qu'ils se sont vus pendant leur enfance, à début d'adolescence, ça s'est très très mal passé. Et les parents ont même dit, bon bah là, on va plus les mettre en présence l'un de l'autre, hein, ça se passe pas bien, on va les laisser grandir. Et puis réessayer plus tard. Bon, le plus tard est arrivé. Et donc, Art doit passer un été à Camelot pour le tournoi du roi. Et en fait, Art, il sait comment appuyer sur tous les mauvais boutons de Gwen pour la faire partir, etc. Et Gwen, pareil, en fait. Sauf que Art, il a une estime de lui qui est réduite à zéro. Nous, en tant que lecteurs, on le sait, mais elle ne le sait pas. Et puis, en fait, ils vont découvrir un truc l'un sur l'autre.
Arthur, enfin Gwen va découvrir que Art, en fait, il aime les hommes. En le voyant en le voyant galocher un mec, un gars du château. Et Art, en fait, dit non, ne dis rien, etc. Je fais ce que tu voudras, etc. Et en fait, en voyant sa réaction, il se dit, mais en fait, si tu as cette réaction-là, c'est parce que toi aussi, tu vis la même chose, en fait. Tu aimes les femmes. Et en effet, Gwen en pince. Pour la seule chevalière du tournoi, puisqu'il n'y a qu'une seule femme qui peut participer au tournoi parmi tous les hommes. Bridget, je ne sais plus comment son nom de famille. Et donc voilà. Donc c'est très rom-com, vous voyez. Au début, tu te dis ça va être une bonne remédie. Comment on dit ? Remédie. Remédie. Je ne sais plus parler. Ça va être une bonne comédie romantique, une rom-com des familles pour les adolescents dans un univers médiéval, pourquoi pas, etc. Ça va être chouette, surtout que Art, il va vite en penser pour le prince héritier Gabriel. Gabriel qui veut pas en entendre parler, donc tu te dis, voilà, oh là, comment est-ce que ça va se finir? Et puis, en fait, là où l'autrice est brillante, c'est qu'elle te met une intrigue politique. Alors, c'est pas digne de Game of Thrones, hein, bien entendu. Mais il y a une intrigue politique qui arrive là-dedans. Et un truc, à un moment donné, t'as là, dit « Waouh, n'attendais pas à ça !» Et donc, ça devient un livre d'action vers la fin que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, voilà. Mon seul regret, c'est la fin qui est juste un... Voilà. L'épilogue, il est trop court et il est ouvert, finalement. Ça réduit pas mal de choses, mais ça reste assez ouvert. Donc voilà, ça pose la question de la place de la femme dans la société, des hommes dans la société, etc., etc. Et le fait que ben on peut se sentir parfois totalement démuni par rapport à nos traditions, par rapport à ce que la société attend de nous. Et ces quatre personnages, en fait, vont remettre ça en question. Et trouvent tous que l'autre est plus courageux que l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est beau aussi, et voilà. Après, je vous le dis, c'est très très jeunesse dans l'écriture. Voilà, moi je l'ai lu en une journée, ça se lit très très vite. Il n'y a rien de vraiment adulte dans le livre, c'est même un peu plus jeune que young adult, je trouve. Je le classerais vraiment en jeunesse. On n'a pas ce stade middle grade. C'est entre le middle grade et le young adult, vraiment. Mais ça plaira à énormément de monde. Et sachez que je le revendrai sur Vinted parce que je l'ai beaucoup aimé. Mais je sais que je ne le relirai pas. Bref. Et enfin, le dernier livre dont je dois vous parler, c'est Emily de New Moon de Lucy Maud Montgomery. Ma lecture commune s'achève ce jeudi. Mais je l'ai fini. Je voulais en finir avec elle. Non pas que j'ai pas aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé retrouver la plume de Lucy Maud Montgomery avec une autre héroïne que Anne. Ça a été vraiment un plaisir de faire la rencontre de Emily, qui est une petite fille vraiment attendrissante et attachante, et qui malheureusement n'est pas aimée à sa juste valeur dans sa famille d'adoption, puisque Emily est orpheline de père et de mère. Dans le premier chapitre, elle a toujours son papa, mais le premier chapitre se finit en nous disant que son papa va décéder, et c'est ce qui va se passer. Donc pour les quatre premiers chapitres, on n'est pas sur quelque chose de très très joyeux, puisqu'on va avoir toute l'évolution de Emily qui est enfant et qui a vraiment une enfance privilégiée auprès de son papa qui lui passe beaucoup de choses, qui encourage sa créativité, qui est fan de sa fille quand elle écrit des poèmes, etc. Et puis en fait, bah, une fois qu'il n'est plus là, il n'y a plus personne pour l'aimer dans le monde. Et donc elle se retrouve aux mains de personnes de sa famille, hein, de la famille de sa maman, qui vont s'en occuper. Pour vous dire à quel point ils sont pas du tout intéressés par la gamine, ils vont tirer au sort qui doit s'occuper d'elle dans la famille. Donc ça te situe un petit peu quoi sur l'investissement et le degré d'amour qu'ils ont pour Emily. Et du coup, bah, Emily va se retrouver à New Moon, qui est la maison familiale, là où sa maman a grandi. Et elle va être prise en charge par sa tante Elizabeth et sa tante Laura. J'ai beaucoup aimé les personnages de Lucy Maud Montgomery. Ils sont hauts en couleur, ils sont vraisemblables. On a envie de les rencontrer dans la vraie vie. Alors, pas tous, mais voilà. C'est un récit en fait qui est plein d'anecdotes à la campagne, dans une vie assez simple. Il y a des descriptions de paysages, de bois, d'animaux, de lieux. Et tout en filigrane, en fait, il y a cette progression, cette évolution chez Emily qui grandit et qui veut absolument devenir poétesse.
Il y a aussi ces disputes avec ses amis, le fait d'aller à l'école pour la première fois, comment s'intégrer dans un groupe et ainsi de suite. C'est vraiment un récit très simple finalement. Il ne se passe pas grand-chose, mais pourtant il se passe énormément de choses au sein du récit. Et voilà, la plume de Lucy Maud Montgomery est magique. Mais sachez-le, c'est un récit, c'est une œuvre moins lumineuse que Anne Shirley. Anne Shirley, finalement, c'est le fait d'être adoptée qui va lui donner toutes ses chances dans la société. Pour Emily, c'est le contraire, en fait. Elle avait toutes ses chances avec sa famille d'origine. Et c'est le grand drame quand elle est adoptée et prise en charge par sa famille maternelle. Et puis, comme c'est si bien le faire, Lucy Montgomery, on s'y attend pas, mais il y a un mystère à résoudre dans le livre. Et c'est comme ça dans chacun des tomes de Anne Shirley, et c'est la même chose ici. La vérité est rétablie, c'est vraiment un thème très cher, je pense, à Lucy Montgomery pour les livres que j'ai déjà lus d'elle. La vérité est rétablie. Donc voilà, je vous conseille fortement de vous pencher sur cette saga. Si vous pensez que Anne va être un petit peu trop neuneux pour vous, trop fleur bleue et tout, Emily est un personnage un petit peu plus subtil, beaucoup plus nuancé. Pareil pour toute la fourchette de personnages qui l'entoure, et l'écriture de Lucy Maud Montgomery est toujours aussi exceptionnelle. Donc voilà, je peux que vous encourager à lire ce roman. On est arrivé au bout de tous les livres dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je suis désolée, elle est très très longue. J'essaie pourtant de résumer et de dire l'essentiel. Je vais en profiter pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux par ici, mais aussi sur Instagram et sur Twitch. On approche tout doucement des 1000 abonnés ici sur YouTube, mais également ici sur Instagram. Donc tout doucement, je suis en train de vous préparer des lots pour un concours. Ça me fera très très plaisir de vous faire plaisir, puisque vous me soutenez maintenant depuis 7 ans sur YouTube. Donc il est plus que temps que je vous rende un petit peu de l'amour que vous me partagez au quotidien et à chaque fois que je sors une vidéo. Donc restez informés, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les dernières infos, voir toutes les dernières vidéos, et à me suivre également sur Instagram, où j'essaye d'être vraiment très très régulière. Et je suis disponible en message privé sur Instagram, bien sûr. Et si vous avez envie de tenter l'aventure, ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai sur Twitch tous les mardis soirs pour un Read With Me. Et je l'ai dit en français, pour un Read With Me. Et tous les jeudis également pour un petit Read With Me. Et puis parfois, il y a des streams un petit peu sauvages pour de la création, etc. Donc n'hésitez pas à venir me faire coucou là-bas sur cette plateforme. Je vous dis à bientôt sur Plume à Papote. Bye bye.